to the end of a one-way street. Wish I could wake up, but it's not a dream. Staring at the wall right in front of me. Oh, 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 oh. Need to get away, I can stay right here. Every day I'm wishing that you weren't near. I cannot pretend that I do not care. Oh, oh. I keep asking why. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. J'espère que vous allez tous très bien. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu ici. C'est vrai que ces deux derniers mois, j'ai eu des périodes à blanc où j'ai eu besoin de couper complètement les réseaux, dans le sens où je ne voulais pas faire semblant parce que bah, je n'allais tout simplement pas bien. C'est jamais arrivé que ça dure plus de 2-3 jours, dans le sens où j'ai des périodes assez compliquées. Forcément, quand on vit des choses comme nous, on l'a vécu, hein, ça marque une vie entière. Donc voilà, mais là j'ai eu des périodes qui m'ont semblé plus que 2-3 jours et crise d'angoisse, mal dans la poitrine, continuellement des douleurs dans le bas du ventre, enfin des choses qui m'ont laissé penser que je faisais une petite dépression tout simplement, une petite ou grosse, je sais pas. Dans le sens où j'arrive pas à dormir, j'arrive pas à manger, enfin voilà, il y a plein de petites choses, puis pas que ça, qui se sont passées pour le fait que je coupe un peu les réseaux, mais dans le sens où, voilà, en tout cas je veux revenir pour essayer d'aller mieux, essayer d'extérioriser, même si tout en gardant notre jardin secret, vous avez dû remarquer que depuis le décès d'Eden, on a pas mal diminué dans le sens où on expose beaucoup moins notre vie privée, en tout cas sur les réseaux. On garde une grande partie de jardin secret. Mais voilà, en tout cas, ça me fait du coup beaucoup de bien de revenir, d'essayer de retrouver la force de s'accrocher, de voir les belles choses de la vie, puisque c'est vrai que ces derniers temps, j'étais un petit peu dans un mood très noir et pas envie de... Voilà, je voyais plus d'issue en fait, j'arrivais plus à m'accrocher, à être heureuse, voilà, tout simplement, c'était un peu chelou, un peu compliqué. Mais dans le sens où aujourd'hui j'ai envie de revenir, là notamment aujourd'hui on va essayer de sortir un petit peu pour s'aérer, prendre le bord de mer, etc. Ça va faire du bien. Et puis voilà, simplement, notamment la semaine prochaine, je vais prendre des rendez-vous. On m'a parlé, voilà, il y a un couple d'amis qui m'ont parlé de faire de l'acupuncture. Ça pouvait faire du bien, je vais faire aussi des séances d'ostéopathie pour libérer certaines pressions que je ressens. Voilà, en tout cas, je vois aussi mon médecin mardi, donc voilà. J'étais sur la diminution de l'allaitement parce que je m'étais dit que bah, j'avais besoin peut-être de prendre un médicament pour me faire du bien, pour me soulager. Et puis finalement, j'ai peut-être plus envie de me tourner sur des méthodes naturelles et pas rentrer dans ce cycle infernal des médicaments, etc. Donc voilà, enfin bref, je vous parle de ça, juste je pense que bah, c'est pas un sujet tabou, hein, la dépression, etc. C'est commun, je pense qu'on passe tous par là à un moment de notre vie. Et puis c'est un petit peu, je pense, la logique des choses quand on traverse des choses aussi compliquées que nous. J'ai jamais vraiment été dans une dépression, j'ai eu des moments faibles, mais j'ai toujours su rebondir. Et là, c'est vrai que ça s'éternise un peu trop en fait. Donc voilà, mais c'est correct, c'est la vie, j'accepte cet état, mais justement je veux aller mieux et donc je prends conscience que j'ai besoin d'aide et d'avancer, tout simplement. En tout cas là on part, je vais vous montrer tout de suite, je vais vous présenter un produit que j'ai reçu qui est top, notamment que ben, nous en fait on aime beaucoup sortir et faire des mini road trips comme on a pu le faire là au Jura. Et c'est vrai que ben, on a des appareillages qui demandent ben, beaucoup de batterie et la batterie ben, s'affaisse très rapidement. Donc des fois on se retrouve vraiment frustré de ne pas avoir certaines images etc. dans le cadre de notre travail parce que ben, on n'a plus de batterie et du coup je vais vous montrer un truc qui est super intéressant. Je vais vous poser du coup l'intégration EcoFlow. Ne vous étonnez pas de me voir avec une tenue différente. En fait c'est un passage que j'avais filmé pour un Vlogmas. Un Vlogmas que je n'ai du coup jamais posté avec les posts qu'on a fait. Voilà, j'avais tout lâché.
Du coup, voilà, je vous la mets maintenant. Et à savoir que à la suite du vlog, ça repart sur une journée normale, donc ne vous en faites pas. Voilà, je voulais juste vous dire ça pour passer à la suite. Avec Romain, durant notre dernier voyage au Jura, on s'est retrouvés dans des états un petit peu de frustration, je vous dirais. C'est vrai qu'on a pas mal d'appareils et que parfois, bah, on n'a pas toutes les images qu'on veut de suite. C'est des appareils qui nécessitent beaucoup de charge et bah, y a peu d'autonomie. Par exemple, sur le drone, bah, il faut pouvoir le recharger plusieurs fois pour avoir toutes les belles images. Romain, il aime beaucoup le manier, etc. pour, voilà, pour le faire voler durant, durant nos voyages et voir un petit peu les paysages. Généralement, du coup, il doit changer les filtres, etc. sur le drone, donc ça prend pas mal de temps. Et parfois, on se retrouve frustré de ne pas avoir eu les images qu'on souhaitait à cause d'un problème de batterie. Du coup, on s'est dit qu'on allait se procurer une centrale électrique. Donc là, on a pris la marque EcoFlow, c'est le modèle EcoFlow River Max. C'est une petite centrale électrique qui est portable, c'est-à-dire qu'elle est très légère. Si on enlève la deuxième batterie, donc on a une capacité de 580 watts environ. Et si on enlève l'une des batteries, ça tombe à 288 watts. Mais ce qui fait qu'on a quand même une autonomie 288 watts qu'on peut emporter avec nous. Ça pèse que 2,5 kg. Voilà, vous pouvez mettre jusqu'à 9 appareils simultanément sur la centrale électrique. Vous avez du coup tous les ports qui sont accessibles. Vous avez même l'USB-C, de l'USB, vous avez de tout en fait pour pouvoir charger tous vos appareils directement sur la centrale. Ça peut même fonctionner sur des appareils avec de la haute puissance, par exemple c'est possible pour une tondeuse à gazon, ce qui est quand même génial parce que parfois on se retrouve, on n'a pas forcément ce qu'il faut dans le jardin pour pouvoir brancher la tondeuse. Donc voilà, ça peut servir à ça, à savoir que il y a d'autres modèles chez EcoFlow de centrales électriques. Moi je vous présente celle-ci parce que c'est celle qui est la plus appropriée pour mes besoins à moi en termes de recharge. Nous on a besoin surtout pour la vidéo et la recharge voilà, plutôt de notre petite technologie, donc téléphone, ordinateur, enfin ce genre de choses. Pour travailler, donc voilà, c'est vraiment super pratique. À savoir que par exemple pour la capacité de 580 watts, ça se recharge juste en 96 minutes, donc vous pouvez même le recharger sur votre voiture, c'est-à-dire que vous pouvez l'emporter en camping, en road trip, vous pouvez l'utiliser à la maison, ça s'utilise absolument partout. Je trouve ça vraiment pratique. Imaginons que vous avez une coupure d'électricité, vous pouvez quand même du coup utiliser votre centrale électrique pour cuisiner ou passer l'aspirateur, enfin voilà, imaginons, ou brancher votre ordinateur, ou voilà, tout ce que vous voulez en fait. Donc voilà, c'est vraiment, vraiment pratique, à savoir que vous pouvez du coup recharger avec ce type d'appareil jusqu'à 46 fois pour une charge votre téléphone. Vous pouvez du coup boire 24 tasses de café et recharger par exemple un drone 6 fois. Donc voilà, c'est une grosse capacité de charge. Ça se recharge seulement en plus en moins d'une heure. Donc voilà, c'est vraiment chouette. Je le trouve vraiment très pratique. Donc je vous mettrai un petit lien dans la barre d'infos si vous souhaitez aller voir un petit peu ce que font EcoFlow en termes de centrales électriques. C'est ultra pratique, n'hésitez pas à aller voir. Donc je vous le montre d'un peu plus près comme vous le voyez. Donc là on a une petite lumière hein, par exemple pour les personnes qui veulent l'utiliser la nuit. Vous avez du coup tous les endroits pour recharger. Donc là on a le type allume-cigare pour la voiture. On a du coup bah, toutes les charges ici. Par exemple, moi j'ai chargé mon téléphone et mon ordinateur. Vous avez d'autres prises ici. Vous avez de l'USB-C. Enfin voilà, vous pouvez charger jusqu'à 9 appareils en simultané. Donc c'est vraiment bien. À savoir également que pour recharger la centrale électrique, vous pouvez le faire via des panneaux solaires qui sont compacts également, que vous pouvez emporter du coup en voyage. Donc moi je ne les ai pas. Mais voilà, à savoir que bah, c'est possible également d'emporter directement pour être complètement autonome. Enfin bref, vraiment trop pratique. Là c'est justement, on doit faire des petits plans drone sur la route des crêtes. Donc j'ai trop hâte. Ça va faire du bien de retourner faire les couchers de soleil. Ça fait vraiment un moment qu'on n'a pas pu faire tout ça et c'est vraiment quelque chose qui nous faisait du bien au quotidien. C'est vrai que du coup de s'être éloigné de la Ciotat dans ce sens-là,
Bah, ça nous manque quand même pas mal parce que quand on n'allait pas bien, on aimait bien aller voir les couchers de soleil, aller au bord de mer, etc. C'était ressourçant. Voilà, il faut qu'on se trouve des petits endroits comme ça ressourçants aussi à faire dans le Vaucluse pour parce que c'est vrai, bon, c'est un peu loin la Ciotat, c'est à 1h15, 1h20 de route d'ici, donc on peut pas le faire tout le temps quand on en a envie, mais c'est correct. Voilà, en tout cas on y va et puis bah, je vous reprends directement là-bas. Bon, je vous reprends, on est bien arrivé à la Ciotat, c'est super agréable, il fait trop bon, il fait 13 degrés aujourd'hui. C'est fou parce que la différence de température à Sorgues, il faisait 6 degrés. Donc c'est incroyable, il fait super bon, on est vraiment trop bien. Limite, bah, Romain, lui, il a déjà ôté le manteau. Il a juste la petite veste pour sortir. D'ailleurs, c'est le temps de printemps, ça, début d'été. Hein. Bah, d'ailleurs, il a sorti les couleurs du printemps. Et moi aussi, d'ailleurs, du fuchsia et tout. Ça y est, on est à fond, nous. Tu fais ta muscu? Fais voir tes gros muscles. Et petit Snow, regardez, il a un nouvel harnais. On lui a pris un harnais rouge, il est trop mignon. Il est trop mignon son petit harnais, mais on voit pas bien là. Ça est trop chou. Ah ben voilà, regardez, c'est trop mignon. Et ce petit bonhomme. Ah mon. J'ai mangé ton petit nez. J'ai mangé ton petit nez. Petit bébé qui dort et on s'est pris des chouras. Hein Elias? Au chocolat. Et juste devant la mer. On est trop bien là. Autour de Ezra. C'est manger sa petite compote. Il est super bien diversifié. D'ailleurs, je vous en reparle tout à l'heure pour vous dire un petit peu où on en est. Et je compte bien vous faire des petites vidéos aussi concernant les petits plats préparés de Ezra sur sa diversification. C'est bon? C'est bon ça? Bon, on a passé une trop trop bonne après-midi, c'était super sympa. Du coup, on s'est baladé le long des plages, même que Ezra nous a fait bien rire tout à l'heure. On savait pas s'il disait maman ou papa, mais on a eu du coup un semblant de papa, je dois bien l'avouer. Donc Romain est très très fier, mais il n'y a pas de quoi être trop fier parce qu'en fait depuis qu'il est né, tous les jours quand Romain il lui parle, c'est il lui fait papa, papa, papa. Enfin, vraiment il lui fait, il donne tout pour qu'il dise papa depuis qu'il est né. Moi, contrario, je lui explique tout ce qui se passe dans la journée, je donne des détails, je lui lis des livres pour lui, bah voilà, pour développer un max son langage. Et Romain, pour développer son langage, il lui fait juste des papas. Donc voilà. Non, il a même payé Elias pour que Ezra. Oui, tu l'as payé, tu lui as dit si Ezra dit papa en premier. Eh bien, je t'offrirai un ordinateur, tu lui as dit. Du coup, voilà. Donc, bah, faut que tu tiennes ta parole, du coup. Donc, Elias, tu sais, t'as le droit à quoi? Un ordinateur, hein. Donc, faudra le réclamer, hein. Faut pas te faire avoir, hein. Mais voilà. Donc là, on part direction la route des Crêtes. Il est 17h08. Le coucher de soleil est à 17h37, donc on devrait pas trop le rater. On va faire voler un peu le drone, vous aurez peut-être des plans si Romain a bien mis à jour le drone, mais voilà, ça va être cool, ça va être sympa, ça faisait longtemps et ça nous fait vraiment du bien au moral cette journée, le bord de mer, il n'y a rien de mieux. La Ciotat, ça reste vraiment notre ville coup de cœur. Si seulement on pouvait revenir ici, ça serait chouette, mais voilà, le prix de l'immobilier est très très cher, donc c'est peu abordable ici. Et pour des petites surfaces et on n'a pas envie de vivre en appartement. Donc du coup, on est très très bien dans notre maison, même s'il faut faire un peu de route, c'est pas très grave. On a run from a given disaster. Speed away from the holy mind. Pride. That's where I never thought it would matter. If I'm gone by now. Keep on driving and driving along the road tonight. Lost my head, don't feel my spark. Between the chores and bottle jug, just me and all the red lights. Bon, je vous reprends.
franchement, hier, on est bien rentré, il faisait noir, donc ça ne servait à rien de vous reprendre en vlog. Mais en tout cas, on a passé un super moment à regarder le coucher de soleil. C'était vraiment très, très beau. Mais il faisait un peu froid. Et moi, j'étais en jupe. J'avais mis cette jupe également hier. D'ailleurs, j'adore le look. C'est un look de chez Naf Naf. Et voilà, il faisait vraiment froid et j'avais pas mis de collant. Du coup, en soirée, ça rafraîchit pas mal, même si en pleine journée, limite, t'as plus besoin de manteau, etc. Sur la Ciotat, tellement il fait bon. Mais voilà. En tout cas, on a passé un bon moment. Ça nous a fait du bien de passer ce moment en famille. Là, les loulous sont malades. Moi aussi, je tousse pas mal. On est vraiment tous un peu encombrés. Elias, il a fait de la fièvre cette nuit, donc voilà, il s'est pas mal réveillé. On a passé une nuit quasiment blanche aussi. C'est vrai que du coup, déjà, le fait que je me sentais pas très très bien psychologiquement, etc., le fait d'accumuler beaucoup beaucoup de retard de sommeil, ça n'arrange pas non plus beaucoup les choses. Mais voilà, en tout cas, j'espère qu'on va récupérer un bon sommeil, qu'on va pouvoir se remettre dans le mood, etc., pour... voilà, pour vous refaire plein de vidéos et tout ça. Donc en tout cas, j'ai hâte, j'ai plein d'idées. D'ailleurs, j'ai ma liste qui est pas très loin. Et voilà, plein de petites vidéos que j'ai prévu de vous tourner. Dans le sens où on sort en fait, je sors d'un épisode un peu compliqué psychologiquement. Et du coup, l'idée, c'est on a accumulé pas mal de bazar dans la maison. Donc moi, j'ai horreur de ça et c'est vrai que ça n'arrange pas les choses. Donc en gros, je vais faire la réorganisation de la cuisine, réorganisation du coup du frigo, réorganisation de la salle de bain. Enfin, plein de réorganisations comme ça que je veux vous filmer, plein de petites choses. Voilà, du back cooking pour bébé, voilà, il y a plein de choses comme ça. On va aussi remettre une routine sportive, enfin essayer en fait de sortir d'un mood négatif. Et le but, c'est de s'aérer le plus l'esprit possible. Et ça commence aussi dans le rangement de la maison. Nous, on aime bien que ce soit carré, etc. Ça va nous aider aussi à s'épanouir pleinement à la maison et à retrouver un semblant d'organisation. Parce que là, clairement, c'est du grand n'importe quoi. Il faut savoir que quand on est dans un état un peu dépressif, c'est vrai que on a tendance un petit peu à tourner en rond et du coup à faire un peu trop rien de la journée. Enfin, clairement, c'était ce qui se passait ces derniers temps et je déteste ça. Ça me met vraiment encore plus mal en fait. Donc voilà, du coup, je vais un petit peu vous filmer un petit peu ce retour dans la lumière, on va dire ça. Donc voilà, c'est pour ça aussi que j'avais arrêté de filmer. Je voulais pas vous montrer le bad mood. Enfin voilà, j'essaie de filmer des choses quand même très positives. Mais il faut savoir que ça existe, la déprime, etc. C'est normal et que c'est commun à beaucoup de familles et notamment des gens qui ont vécu des choses compliquées. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner parce qu'on est forcément de retour et au taquet. Donc voilà, n'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire, à liker la vidéo et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.